Allez, salut, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours bon de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc j'ai un peu de temps, donc je vais essayer de faire comme ça, de vous montrer un peu comment est-ce qu'on poursuit pour la bourse de Calabria. Voilà, et ce qui est très important, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais comme les étudiants m'écrivent inbox pour que je puisse au moins leur montrer comment ça se passe l'enregistrement. Alors, je vais essayer d'abord de m'enregistrer et après chercher à postuler à la bourse. Voilà. Donc, en ce qui concerne quelques techniques qui se trouvent sur la bourse, chaque année, il y a un petit élément qui change. Donc, pour ceux qui se sont déjà référés sur la vidéo que j'avais déjà fait auparavant pour postuler, voilà, c'est pas mauvais. Mais essayez au moins de voir pour cette vidéo-là pour que vous puissiez au moins postuler normalement. Voilà, donc comme je disais, postuler à cette bourse là, c'est pas aussi complexe, mais il faut simplement savoir comment ça se passe et puis pour pouvoir les postuler. Donc comme je disais, il y a des facultés qui sont enseignées, par exemple comme ça en France, en italien et aussi en anglais, en ce qui concerne le premier cycle et le second cycle. Voilà, donc ce sera à vous maintenant de voir quelle est la faculté qui est enseignée en italien pour pouvoir la choisir et faire au moins un cours de langue italienne avant de pouvoir faire quoi? Avant de pouvoir commencer votre cours. Vous comprenez? Voilà, donc ici, pour pouvoir commencer, il faut juste venir d'abord s'enregistrer. Après cela, vous venez dans Access Portal. Après ça, vous complétez votre cursus et c'est terminé. Donc, il y a trois phases ici. Voilà, mais pour l'instant, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut postuler. Donc, je vais cliquer ici, How to apply. Et puis, quelle est la date limite? Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, on va essayer de voir ensemble et puis aller postuler un peu plus rapidement. Voilà. Donc ici, before completing the admission application, we recommend that you prepare such as documentation is useful for the assessment. Donc ici, voici les documents comme ça qu'il faut pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir postuler à cette bourse-là. On a quoi? Le passeport, on a le CV, on a le diplôme d'études scolaires. Voilà. Et si vous voulez faire par exemple comme ça le master, vous devez ajouter le bachelor. Mais n'oubliez pas, si vous voulez faire le master, vous allez et ajouter le bachelor et ajouter le diplôme du baccalauréat. Maintenant, si vous voulez faire le baccalauréat, vous prenez seulement que le diplôme du baccalauréat et aussi les relevés de notes. Voilà. Maintenant, si vous avez une attestation et puis vous avez aussi le diplôme, vous pouvez mettre les deux éléments ensemble pour former le diplôme de baccalauréat. Voilà. Ceux aussi qui ont, par exemple, comme ça, l'attestation de master et ils ont encore le diplôme ils ont l'attestation de licence et encore le diplôme de licence, vous pouvez mettre les deux ensemble pour former comme ça un grand élément de licence. Vous comprenez? Voilà, un diplôme de licence. Maintenant, si vous voyez ici, par exemple, vous avez mis University Transcript and of Records, vous comprenez? Ici, comme ça, pour ceux, par exemple, qui viennent pour la licence, c'est-à-dire, ils auront, par exemple, comme ça, leur diplôme de baccalauréat et le relevé de notes. Donc, vous pouvez faire le diplôme de baccalauréat en un seul fichier, vous comprenez? Diplôme de baccalauréat et relevé en même temps, dans un seul fichier, vous mettez. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ça dans un seul fichier et que vous voulez, par exemple, comme ça, faire en deux fichiers, alors vous allez choisir d'abord pour le premier, le diplôme de baccalauréat qui est ici, et pour le relevé de notes, vous allez choisir University Transcript of Record. Voilà, c'est pas forcément seulement pour le bachelor, mais aussi pour le baccalauréat, vous pouvez prendre celui-là comme relevé de notes. Parce que de toutes les façons, quand vous allez postuler, vous allez signifier cela. Ok. Donc ici, University Syllabus of All Course, ça c'est comme les crédits que vous devez fermer. Mais de toute façon, lorsque vous allez mettre les éléments en ligne, c'est comme si les crédits aussi étaient avec eux. Et ici, comme ça, Italian Language Certificate if you are in possession. Donc si vous avez un certificat de langue en anglais ou bien en italien, vous les mettez. Ça sera vraiment valable pour ceux qui vont prendre les cours qui sont enseignés en anglais ou le master. Vous comprenez? Voilà. Et ensuite ici, vous pouvez mettre d'autres documents, c'est-à-dire les extraits de naissance et tout ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. Pour pouvoir
postuler, il faut d'abord s'enregistrer. Après ça, vous venez sur le site, encore, vous postulez et vous vous enregistrez. Et la date limite, c'est le 14 avril 2022. Voilà, you can apply only for one degree course. Donc ici, vous pouvez postuler qu'un seul niveau, vous comprenez? Voilà, donc if you want to change degree course, you must first cancel the profile application. Donc si vous voulez par exemple comme ça annuler, vous voulez changer de degré, c'est-à-dire si vous voulez changer de niveau, vous devez d'abord annuler la partie, ce que vous avez déjà fait auparavant, avant de pouvoir créer un nouveau. Voilà. Donc ici, je vais aller d'abord m'enregistrer. Donc je vais cliquer sur registre. Voilà, ou bien je peux les retourner. Je viens sur le site normalement ici et je clique sur registre en ISS3. Donc on va cliquer là. Voilà, on va aller essayer de s'enregistrer et puis chercher à postuler. Pour ceux qui ont les sites qui sont en anglais, ou bien qui sont en italien, qui ne peuvent pas traduire, voilà, c'est pas un souci. Vous allez suivre de la manière dont je vais faire, comme ça vous allez essayer de le faire directement avec moi sans problème. Voilà, donc ici vous allez cliquer sur web registration. Ici vous allez cliquer là et vous allez voir l'interface qui est là. Voilà, donc cette interface là, si moi je dois remplir par exemple comme ça, je vais utiliser mon clavier virtuel. Je vais prendre un nom comme ça. Je vais prendre OK et le nom de famille. OK, le patronyme c'est pas vraiment trop important. Voilà. Donc regardez très bien les éléments qui sont en astérisque. Ce sont les éléments qui sont en astérisque qui sont vraiment très importants. Donc ça c'est pas un souci. Et ici, ça ce qui est là, c'est pour les données personnelles, vous comprenez? Voilà, donc vous allez mettre les données personnelles et tout ça, la nationalité, le pays, la ville où vous êtes né, voilà, et tout ça. Donc ici, la date de naissance, étant donné que je viens pour une licence, par exemple, je vais considérer que je suis né en 2006 ou bien 2005. Voilà, donc la date de naissance, il y a 2005, mars 2005, le 1er mars 2005. Et le genre, je suis un garçon, alors mâle ici, voilà. Et votre nationalité, par exemple, comme ça, si vous voulez choisir votre nationalité, vous allez choisir, par exemple, moi je vais prendre Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas Côte d'Ivoire, alors c'est Ivory Coast. Donc, ici, il y a Côte d'Ivoire. Mais quand c'est, par exemple, comme ça, quand c'est en italien, c'est Costa d'Avorio. Donc pour ceux qui ne peuvent pas traduire, vous allez prendre Costa d'Avorio. Mais nous comme ça, c'est Côte d'Ivoire. OK, et le pays aussi sera forcément Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. C'est pas Côte d'Ivoire, essayez de voir en anglais. Ça peut aussi se trouver là-bas. Ici, il ne faut pas Côte d'Ivoire, alors je vais vérifier Ivory Coast rapidement. Si pour Ivory Coast, il s'y trouve. Vous voyez là, Ivory Coast. Donc, vous pouvez choisir là. OK. Donc, si la ville n'est pas listée ici, vous pouvez mettre la ville, vous pouvez mettre Abidjan. OK. Et le problème. Voici ce pourquoi j'ai fait la vidéo, c'est à cause de le tax code. Vous comprenez? C'est à cause du tax code italien. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Ici, dans les normes, c'est pour ceux qui vivent déjà en Italie. Voilà. Ceux-là doivent avoir un tax code qu'ils doivent insérer ici parce qu'ils ont cela. Tous ceux qui vivent là-bas ont des tax codes. Vous comprenez? Mais vous êtes étranger, vous n'êtes pas encore sur le territoire italien. Alors vous ne pouvez pas insérer cela, c'est pourquoi ils ont mis ici automatically calculate if not provided. Donc si vous n'en avez pas, ça sera automatiquement pointé là. C'est eux-mêmes qui vont insérer l'élément ici. Donc c'est pas la peine de vous fatiguer à chercher un élément. Donc ce que vous allez faire, vous allez avancer. Lorsque vous allez avancer comme ça, voilà, vous allez avancer. Ça va recharger encore sur le site. Vous voyez, c'est revenu encore sur le site. Et maintenant, lorsque vous regardez, vous voyez qu'ils ont déjà installé un élément pour vous. Vous comprenez? Voilà, ils ont déjà installé un élément pour vous. En ce moment-là, ça veut dire que vous avez déjà rempli, c'est tout.
Vous voyez, voilà, c'est automatique. Parce que vous n'êtes pas étudiant là-bas, c'est automatique. Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire forward, vous allez avancer encore et chercher à essayer de postuler pour ce qui est devant. Donc ici, le pays, permanent adresse, adresse permanent. Le pays, c'est quoi? Côte d'Ivoire. Donc, en ce qui concerne le code fiscal, vous n'en avez pas besoin. Donc, ne vous embrouillez pas pour cela. Essayez d'avancer. Si vous voulez postuler, essayez d'avancer. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ici, je choisis Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas Côte d'Ivoire, alors c'est Ivory Coast. Voilà, parfois ça traduit directement en anglais ou bien en français. Donc, c'est Ivory Coast ici. Donc, the town entry was not found among the listed. Donc, ici, je vais mettre encore Abidjan. La ville. Ok. Les zip codes, vous voyez ici, ils ont mis zip code, ils ont mis if in Italy. Donc, c'est ça aussi, c'est quand vous êtes en Italie. Donc, les étrangers qui sont en Italie qui vivent pour cela, cette bourse-là, voilà, eux, ils ont un zip code, ils peuvent mettre le zip code. Voilà, donc localité aussi, c'est pas la peine. Et adresse, vous pouvez mettre l'adresse. Chez vous, on dit quoi? On dit la rue, le quartier ou bien la voie. Donc ici, vous pouvez mettre un élément comme ça. Si moi, je veux mettre moi mes éléments. Je vais mettre par exemple comme ça, boulevard. Boulevard. Je vais mettre A, boulevard A, par exemple comme ça. Et puis je vais mettre par exemple Abidjan. Abidjan. Vous voyez, vous pouvez mettre Abidjan. Je vais mettre Abidjan pour vous. Ou bien vous pouvez mettre Abidjan ce que vous voulez. Voilà. Donc ça ne me gêne pas. Donc, je peux mettre Abidjan comme ça pour vous. Voilà, rien de gêne. Donc la rue, si c'est rue 12, rue 13, vous mettez rue 12, rue 13. Ok, donc l'adresse permanente. Donc à quel moment vous vivez, depuis quand vous vivez dans cet endroit-là, donc vous mettez la date. Même si vous vous souvenez pas de la date, vous mettez une date qui est un peu plus éloignée. Voilà, je considère que je suis là-bas depuis 2007. Donc je mets février 2007, le 6 février 2007. Voilà, ça peut jamais être certain. Voilà, parce que vous ne savez pas à quel moment, peut-être vous ne savez pas, ou bien peut-être vous avez oublié. Donc c'est pas la peine de vous fatiguer à pouvoir tout insérer. Donc ici, le numéro de téléphone, je mets mon numéro de téléphone. Je peux mettre par exemple comme ça, plus 225. Voilà, plus 225, 59, 39, 33, 12h44. Voilà, donc ici maintenant on vous demande current address is the same as the permanent address. Donc ici on vous demande est-ce que l'adresse que vous avez mis, l'adresse permanente, c'est identique à l'adresse courante. Voilà, vous comprenez un peu. Voilà, donc l'adresse que vous avez actuellement, est-ce que c'est identique? Si c'est identique, vous mettez oui. Donc la plupart du temps vous mettez identique. Si vous mettez non, vous allez voir qu'il y a un autre élément qui puisse ajouter pour que vous puissiez continuer. Donc quand c'est comme ça ne sera pas, ça va pas vous arranger. Donc vous mettez oui et le débat est clos. Ils ne vont plus rien vous demander. Voilà, donc après cela, qu'est-ce qu'on fait? Vous cliquez sur forward pour avancer. Donc ici par exemple comme ça, vous mettez votre mail, vous revérifiez le mail. Donc ici je mets le mail, je mets par exemple comme ça. Ok, après cela, je remets le mail ici. Ok, donc ici, International Daily Code, en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est plus 225, comme vous pouvez dire. En Côte d'Ivoire, c'est plus 225. Au Cameroun, c'est plus 237.
Au Sénégal, c'est plus 221. Donc, vous trouvez votre code de téléphone, vous mettez ça là. Et ici, arrivé là, vous ne mettez plus le code de téléphone, mais vous pouvez mettre votre téléphone, votre numéro de téléphone. Normalement, 59 33 12 44. Ok, donc ici vous laissez comme ça, tous les éléments doivent être sur la partie yes, 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 yes. Voilà, pour recevoir des messages. Et si on vous demande est-ce que vous voulez recevoir des messages lorsque il y aura des éléments à vous envoyer, c'est oui. Lorsque vous voulez avoir des personal data, c'est oui, tout est oui. Donc vous laissez ça comme ça, ce n'est pas un souci. Après cela, on va avancer sur forward. Voilà, donc. Ok, donc arrivé là, il y a le mot de passe aussi qui crée quelques soucis. Voilà, mais pour le mot de passe, vous savez déjà que c'est déjà personnel. Vous pouvez prendre d'abord une lettre majuscule. Vous prenez une lettre majuscule. Tout le reste, c'est quoi? C'est minuscule. Vous mettez par exemple un point et vous mettez 9. Ou bien vous mettez un chiffre, ou bien vous mettez 6, ou bien vous mettez 8. Ou bien vous faites un élément majuscule. Voilà, un élément majuscule. Tout le reste doit être peut-être en minuscule. Et si vous avez atteint, par exemple, comme ça, 7 éléments, 7 caractères, vous complétez avec au moins 2 caractères, c'est-à-dire un 0 avec arrobase ou bien plus. Un 0 arrobase ou bien plus. Voilà, ça fait 10, 10 éléments et puis c'est bon. Ne faites pas trop long, sinon ça va refuser à chaque instant. Vous comprenez un peu, j'espère que vous comprenez. Donc moi ici par exemple, je vais choisir mon mot de passe. Donc je vais choisir mon mot de passe. Donc si ça ne passe pas, ils vont me dire que ça ne passe pas, je vais devoir reprendre. Donc si c'est pas identique aussi, ils vont me dire que c'est pas identique, je vais devoir reprendre. Donc vous voyez que ici ça passe. Voilà. Et ils vont vous envoyer aussi votre mot de passe en message. Donc ça, vous ne devez pas avoir peur. Voilà, ils vont vous envoyer votre mot de passe en message. Donc ils arrivent là, vous vérifiez tous les éléments, si tout est en ordre. Voilà, si tout est en ordre, vous confirmez ici. Vous confirmez là. Voilà. Et c'est relancé pour le premier. Vous voyez, ils ont déjà mis mon mot de passe. Ils ont mis mon mot de passe ici. Voilà, mon mot de passe est déjà accompagné et tout ça. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez faire un prank. Voilà, vous allez voir que ils vont mettre le résumé de tout ce que vous avez fait ici. Et puis, le mot de passe va se trouver juste en dessous là. Voilà, mais moi, je ne vais pas montrer mon mot de passe. Voilà, pour ne pas que les gens me fatiguent sur le net. Voilà, donc. C'est un peu ça, et lorsque vous finissez, vous revenez encore sur la plateforme ici, et pour pouvoir continuer, vous cliquez sur Login ici. Voilà, que sur Login, ça vous renvoie directement sur la plateforme, votre plateforme initiale, et c'est en ce moment-là que vous pouvez cliquer sur Access ici pour pouvoir avancer. Donc, une fois que vous avancez, vous allez voir que il y a plusieurs éléments encore à pouvoir faire et puis à pouvoir remplir et commencer à postuler pour la bourse. Voilà, donc je m'arrête là et puis je fais une vidéo tout à l'heure pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut, mais vérifier très bien ici parce que ici ça refuse parce que ce sont pas mes coordonnées qui sont là. Voilà, ce sont pas mes coordonnées. Donc mes coordonnées sont sur la fiche que j'ai téléchargée. Je vais remettre ici et puis essayer d'avancer. Voilà, donc une fois que vous avancez, vous allez voir que il y a plusieurs éléments à pouvoir remplir pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Voilà, donc les gars, à plus et en même temps tout à l'heure pour une seconde vidéo pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut postuler et puis comment est-ce qu'il faut tout gérer avec toutes les techniques qui s'y trouvent. Donc à tout à l'heure en même temps et à plus.